Salut YouTube! Aujourd'hui, il y a un concept de zinzin. Un viewer, et pas n'importe quel face, qui m'a envoyé un message. En gros, il a match une louve sur Quits, une appli de rencontre. Elle joue aussi League of Legends. Il a dit qu'il était Warwick Top. Si tu joues des range top, je te bloque direct, t'es prévenu. Non, je joue Garen, Darius, Trundle. J'ai eu peur. 1v1, si je win, on se date. Vas-y. Donc à la base, il m'a envoyé ça, et ensuite, il est parti directement dans mes DM et m'a supplié de jouer à sa place pour qu'il gagne son date. En tant que businessman émérite, le lendemain, a décidé de faire le concept 1v1 pour un date. On dirait que c'est sponsor par Mad Monk. Donc, il y aura un 1v1 entre Pace et du coup sa louve, Léa. Et si jamais il gagne, ça part en date le soir même. Si jamais ça perd, je vais devoir leak devant Léa la raison de ses 50 bans. Il a plus de 50 bans sur ma chaîne. Et vraiment, il y a des pépites de fou. Il y a vraiment des dingueries. Là, il est actuellement ban 47 fois temporaire, 7 bans perma. Me demandez pas comment il a survécu et qu'il n'est pas encore perma, mais je comprends pas. À chaque fois, il revient. Maintenant, je vais être accompagné de Némarie, qui est, je sais même pas comment la décrire, une organisatrice, streameuse, influenceuse, qui gravise un peu sur la scène LOL depuis des années. C'est un peu une daronne du Twitch Game. Et on va leur parler de part et d'autre, voir un peu Face de son côté, seul, voir un peu son mindset, et voir un peu Léa, comment elle se sent aussi. Et ensuite, on castera le fameux 1v1. C'est parti, on va accueillir déjà Némarie. Salut Némarie, comment tu vas, Végette? Salut Walou, ça va et toi? Ça va, nickel. Mais, okay. Mais elle sait, du coup, elle était au courant que... Enfin, elle te connaissait déjà, sur Twitter? Ouais, elle me connaissait déjà. Elle connaissait déjà, du coup, c'est assez dingue ce qui s'est passé. Mais elle est vraiment bon délire, pour le coup. On va aller voir Face. Par contre, j'ai peur que ma chaîne soit strike, parce qu'il est vraiment... Déjà, regarde son pseudo en bas, là. Bourlingueur de Wael. Ça donne pas envie, hein. Yo, salut BG. Allô. Waouh. Quoi ta boîte? Salut BG. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors, comment tu te sens, là? Je stresse, hein. C'est le stress, quoi. Ouais. Tu m'as dit que t'as scouté un petit peu et qu'elle était pas mal forte au jeu. En fait, au début, il y a un mec qui est venu hier et qui nous a dit qu'elle était bronze. Et 12 CS minutes, donc j'ai envie de mourir, quoi. Sur toutes les games, main Garen, ça va être drôle. Ok. Tu triques un peu ou pas? Ouais. Ouais. t'es classé quoi, Face? Non, en vrai, je suis émeraude. Bon, ça va, émeraude. Il clique 0. Ah bah le chat est pas d'accord, hein. Non mais si c'est Dingri qui dit ça, en fait il me hint toutes mes games, donc ouais ça compte pas, quoi. Tu l'as parlé un petit peu en message depuis ou pas? Ou vous êtes réservé pour le 1v1? On s'est en vrai, très honnêtement, on s'est réservé pour le 1v1. Ah c'est bien. Ouais, elle est là. Je jure, on a quasiment pas parlé. Ah, elle avait l'air bien occupée parce que là je viens de voir son message sur le chat. Je joue depuis 7h du Sbah, laisse tomber. Ah. Ah non, pas ce soir, on n'avait pas dit ça, je suis dispo que la semaine prochaine en vrai. Ah, elle a déjà 3-4 dates de prévu cette semaine. Hein. Oh putain, ça veut dire qu'elle lose tous ses 1v1, c'est un bon point. C'est d'où, Face? Toulouse. Ok, c'est comme ça qu'on date des meufs dans le sud? Je te jure. En fait, hier avec Dingri, du coup, on a fait 10 games. Lui, Garen, moi, Walou, je l'ai écrasé 10 fois. Donc ça va le faire, quoi. T'as écrasé Dingri? Ouais, on a fait 10 games, moi je jouais Warwick, lui il jouait Garen, je l'ai battu 10 fois. Dingri, est-ce que c'est vrai? Après Dingri il est pas très bon au jeu. Moi Dingri il est vraiment pas bon au jeu après. C'est un mytho, il mine toute la nuit. Et il y a Malouf, elle arrive pas à rejoindre le salon, elle me dit, un DM. Ah oui c'est normal, mets-toi où tu veux. Malouf déjà, oh là là j'aime bien, ça c'est un homme ambitieux. Mais de toute façon on va lui parler seul, de toute façon toi tu vas pas venir. Hein. Vas-y ça me va. D'accord. Je vais aboyer tout seul, vas-y. Vas-y. J'ai date une main d'amis. Et vous, sur le chat, vous avez déjà date quelqu'un qui joue à LoL? Vous m'entendez? Oui. Salut l'équipe. Ouais, j'étais en retard. Ça va? ça va et toi? Ouais, je suis sereine de chez sereine. Hein. Je vais l'arracher. Hein. Elle t'entraîne toute la matinée, non? Non, pas du tout. J'ai fait que 2 games en vrai. Dis-toi qu'on est tous pour toi là sur le chat. Vraiment, on veut juste voir Face se faire détruire. Mais faut que tu nous racontes un petit peu, c'est quoi ta technique pour démarcher les mecs sur les réseaux en mettant League of Legends en évidence? Mais en fait, sur les applis de rencontre, tu vois, déjà, je cherche, je sais pas trop ce que je cherche, tu vois, je veux avoir au feeling, voilà, on prend ce qui vient, tu vois. Et c'est vrai que dans ma bio, je dis que je veux grind le ladder. Et très vite, les mecs, ils sont en mode, ah, de quel ladder tu parles? Et je dis vraiment que je joue que à League of Legends, ça fait des années que j'ai pas joué à d'autres jeux, que j'ai pas pris de douche non plus, hein, mais ça, je pense que c'est assez évident. Et du coup, ouais, c'est vrai que bah, y a beaucoup plus de mecs qui jouent aux jeux vidéo que de meufs. Et c'est vrai que c'est assez inédit. Il y a plein de mecs qui m'ont dit, mais t'es la première meuf, t'es la seule meuf que je connais qui joue à LOL. Et c'est pour ça que ça marche, quoi. Ok, ah bah... Par contre, avec le... Hein? Ok, ouais, c'est trop smart comme idée, en vrai. C'est trop... Ouais. C'est trop le bon call. Et du coup, si je joue pas à LOL, c'est un problème? Non, mais bon...
C'est dommage. Ah, le mais bon. Bah, lol. C'est dommage, mais c'est pas pour autant que je peux pas m'entendre avec la personne ou quoi, tu vois. Genre, Et le Hello, c'est important ou pas? En vrai. Tu pourrais sortir avec un mec qui est Iron? Non. Non, en vrai. Waouh, mais non. Sauf s'il y a moyen de lui apprendre, tu vois. Mais genre, si je joue avec lui, vraiment, que je vois que le potentiel, il est pas là, je dirais... Après, je vais pas lui dire, bon, bah mec, t'es Iron. C'est pas possible qu'on continue à se parler. Mais après, tu vois, ça fait toujours des mates pour jouer et tout, c'est toujours cool, après. Hein. Ok, donc une astro friend zone, quoi. Après, en vrai, la technique, c'était... Après, j'étais vraiment un charo. J'étais un charo. Et de toute façon, Némarie, tu m'as connu quand j'étais charo. T'étais Ouais, j'étais au passé. Je chopais mon cadre Grand Master 700 LP, tout ça, et j'allais sur LOLFR, et je faisais des flex. vraiment, il est futé, Loalou, il est malin. Et du coup, ouais, il y avait toujours la petite louve qui était intéressée après avoir stompé quelques games. Donc bon, voilà, c'est ça la tech, les frérots. Mais tu te rends pas compte un peu de l'énergumène que t'as? Est-ce qu'il avait l'air normal en DM, Face? Bah, franchement, ouais. Sauf quand il m'a dit « joue Warwick barrière », je me suis dit « bizarre okay. ». Bah, j'ai juste envie de te montrer les DM, donc j'espère vraiment que tu vas gagner ce 1v1. On va vous laisser vous mettre en place, on va créer le lobby. Bon, ce sera du 1v1 classique. Premier sang, pas le droit aux items de map à RAM. Il n'y a pas de ban, aucun ban. C'est sans CS, la tourelle ou le premier sang. Et vous prenez les summoners que vous voulez. Et des champions claque. Ouais, et des champions mêlés. Dans les lobbies, voilà, tu te mets du côté de la louve et moi du côté de mon loup de combat. Là. Du coup, les gars, je rappelle l'enjeu. Si ils gagnent, ils partent en date la semaine prochaine, lune de miel et tout, payé par la meute. Et du coup, et s'ils perdent, je l'humilie sur place et je montre à Léa le dégen qu'elle a évité. Du coup, c'est Trundle, pété à Ignite. Tu la sens comment, ta louve, là? Ah, elle est déter, là. Elle avait pris Ignite, déjà. Wesh. Oh, le stuff. Comment tu parles de ton Warwick? Il fait même pas peur, putain. Même pas de skin, rien. Faut investir, monsieur. Hein. Comment la dame, elle accepte? Oh là là. Elle lui a déjà mis le pilar pour lui montrer. Concrètement, ça met même pas de dégâts. C'est juste pour... Ouais, c'est juste pour lui montrer, là. Oh là là. Ils sont trop mignons ensemble. Ça part d'un site de rencontre, quand même. Oh là là. Malou Montjoyer, c'est quoi ce pseudo, je viens de voir? Non mais... Et Kate et tout, Hit and Run, tout ça, moi j'aime bien. Mais je te jure, au niveau des clics, je te dis qu'elle est 100 fois meilleure que lui, moi je te le dis. Mais ça se voit, regarde comment elle est active, je sais pas hyper, si c'est hyper fluide. Hein. Oh, le bot Warwick là, on se réveille. Elle est hyper fluide, c'est un truc de fou. C'est bon, elle va gagner, j'espère que vous avez mis tous vos points de chaîne. Hein. En plus, elle a un bon passif pour tenir sa lane. J'espère juste que ça va pas finir en CS, mais normalement non. Ça fait son argent. Mon argent, c'est les Walu Coins, ouais. C'est pas original. Hein. J'avais pas prévu de percer sur Twitch à la base. Hein. Merde! Faut bouger, faut pas être risqué. On a quand même une wave qui est en train de se stacker. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'elle va se régène. En gros, le passif de Trundle, ça se régène dès qu'il y a des cibles qui meurent à côté de lui. Du coup, elle est très contente. Hein. Oh là là, il prend ses heals. Ça va être full life là. Finalement, je veux changer mon bête. Ah bah, vous regrettez. Hein. C'est un monstre. Mais en tout cas, ses autos sont ultra fluides. Hein. Enfin, ses mouvements et tout. Ok, il est 6. Car il a crash la wave. Ah. J'aime bien les combats de planer. Ça avance et ça recule en même temps. Ça danse au top. Ouais. Ah, comment ils dansent les deux. Ils se mettent même pas d'autres. Ah, le pilar, juste pour montrer, ça j'aime bien, hein. J'aime trop. Au final, à la fin du date, Face, il verra qu'elle a une Nashor toute bien aiguisée. Alors, le fait qu'ils prennent de l'XP et tout, je sais pas que c'est qui est avantagé. Je dirais que c'est avantage à Warwick en vrai. C'est pas vrai. Oh, comment ça poke, hein? Comment ça parle en mana là? Je sais pas si j'aurais fait le dentil à ce. Non, elle a son ignite. Oh, il prend des coups de tour. Ok, il y a la wave qui commence à stacker. Warwick n'a pas de wave clear. Ok, je pense que c'est le moment pour Trundle. C'est le moment, meuf.
Allez, les agonistes. Elle est en train de le détruire. Qu'est-ce que c'est, Moji Yumi qui pleure? Ouais, mais c'est quoi ça? Il est censé montrer que c'est lui l'alpha là. Mais oui. Croc-flic-flac, comme on dit. Elle va lui remettre un pilar là. Oh là, ça joue, ça clique. Titan Run, peut-être. Le Warwick qui va ulti. Oh putain. Ok. Flash up. Le pilar de Sun. Eh oui, Marex. C'est quoi ce combat? On me dit à l'oreillette que c'est le tout premier match de Face, ça fait 3 ans qu'il est sur les réseaux, sur le site de rencontre. C'est son heure. Hein. C'est fini là. Je sais pas comment elle va sustain en vrai. Elle a 100 heal dans 30 secondes. BO combien? C'est un BO hein. On en est au niveau des CS, je crois qu'on est loin des 100. 23 contre 34. Il a plus Rayard Fruits que la solo queue. Oh. Bah, je crois qu'il a Fruits Premium. Hein. Bah là, il va quand même assez immense. Oh, je ramène mon micro, je sais que... Elle a deux heals si elle veut. Pour Warwick, le Warwick qui court. Hein. Oh, non, ça fait... Ah, c'est lui, il va y aller. Hein. Il a son heal dans 40 secondes. Oh. Il sent un tuable. Je pense que le call c'est que le Trundle flash l'ulti Warwick. Ou alors Pilar, mais je pense pas qu'elle sache que c'est possible. C'est vrai que là ça devient compliqué parce que là, le nom des CS il commence à être un peu. Là, il commence à se rapprocher de 50. Le Warwick il freeze. Ouais, mais je pense qu'ils vont. Il aggro, parce que sinon ça va être compliqué. Il a qu'un sbire là, il a trollé. Il a pas encore d'ulti. Là, si elle aurait commis. Elle va y aller. Ah non, le fier. Ok, ça va passer peut-être, une dernière tour, la barrière. Oh putain. Oh c'était tellement close. Okay, oh purée. Oh, il bouge plus. Il célèbre même pas, il y croit pas. Oh, le flash into ult. Mais on part en date, les mains dans le calbar. Quel roi. Elle est plus forte que lui, j'ai pas peur de le dire, mais je te jure, mais c'était incroyable. C'était pas mérité. Champion diff, hein. Oh là là. Il a quand même flash, il est revenu avec un ulti. Ouais, en vrai, c'est ce qu'il fallait faire, hein. C'était bien joué. On va aller voir Face. Salutations, Face. On arrive, il soupire. Moi, je alors, pas, c'était... En fait, c'était un peu trop facile, quoi, si tu veux. Enfin, moi, j'ai besoin d'un peu de challenge, tu vois, parce que là, en vrai, frérot, s'il te plaît. Mais Face, c'était censé être ta future love. C'est fini, hein, la tryhard. Oui, mais elle entend pas, là. Écoute bien le changement de personnalité, hein, quand tu vois la move. Hein. Vas-y, move là. Comment ça, le changement de personnalité? Attends, mais elle est complètement mute. Léa, faut que tu te démutes. Hein. Il est complètement fou. Comment ça, le changement de personnalité? J'ai un peu peur, là. Mais... Okay, après, c'était Léa... close, en vrai. En vrai, c'était close de ouf. Elle a trop bien joué, les gars. Mais... Léa, re. Léa, elle a fait kill, en vrai, j'ai paniqué de fou. Hein. Elle l'a ghosté, elle. Je crois qu'elle est en train de le bloquer de partout, là. Mais non, mais faut pas dire ça, moi, en vrai c'était close de ouf. Hein. On t'a déjà dit que quand t'affrontes une louve, le but c'est de faire semblant que. Enfin, c'est de la laisser gagner, mais en montrant que tu fais semblant de tryhard. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, j'aurais pu la tuer bien plus tôt. Ouais, re, Léa. Félicitations. Bien joué, Léa. Ah, bien joué. Alors, impressionné par ton loup? Non, c'est un Warwick, donc non, ça m'impressionne pas tellement. En vrai, Léa, t'as bien joué, quand même. Ah, j'ai fait ouais, de fou, hein. J'ai fait de mon mieux. Mais il y avait mieux comme champion, j'aurais pu prendre Olaf. Ouais, Olaf, ça aurait été vraiment stylé, mais en plus, tes clics étaient vraiment fluides, hein. Donc ça se voit que t'as l'habitude de jouer... Ah, mais Trundle, c'est comme Warwick pour toi, tu vois. Ouais, je vois, c'était vraiment fluide. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu mettais des pilars complètement random? Ouais, ça, j'ai pas trop compris. Juste pour... je sais que ça tilte beaucoup. Quand tu le mets bien, le pilar, que le mec, il est bump pour rien. Donc c'est un peu pour faire pression mentale et tout. Ouais, mais okay. Malou, elle me mettra jamais de pression mentale, c'est que du bonheur. Donc pas besoin de pilar, t'inquiète. Des pilars. Bon, du coup, vous allez partir en date la semaine prochaine. C'est ce qui était prévu. Hein. C'est ce qui est prévu, hein, vu que... Ok. Bon, elle m'a laissé gagner, j'ai pas le choix. Je m'engage à vous payer le resto. Voilà, tous les deux. Oh, OMG! Mais ouh, t'es fou ou quoi? Quel homme! Ouais. Non, j'accepterai pas ça quand même. Entrée, plat, dessert, apéro, boisson, prenez ce que vous voulez. Vas-y, ça va alors.
Ça va, on t'enverra la facture. Avec plaisir, Face. Tu payes l'hôtel aussi? Non. C'est quoi ça? Comment ça, l'hôtel? Vous êtes fous, quoi. Non, non, on attend le mariage. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. J'attends vraiment d'avoir confiance avant de rencontrer les gens et tout. Hein. Là, bah, franchement, Face, c'est un gars bien. Franchement, il est complètement sain d'esprit. Tu peux y aller les yeux fermés. De toute façon, je vais montrer au chat, mais pas à vous. Comment je peux voir ça? Allez, ok, ouais. J'ai compris. Ouais, affichage modérateur. Un petit truc fait. Les raisons de mes bans, en fait, je veux montrer. C'est bon. Mais juste un petit peu, pas tout, très rapidement. Pas tout, vas-y. Monte les softs, pitié. Oui, les softs. Le ban. Oui, mais c'est pas... Je fais ban 50 fois sur son live. Ouais, mais c'est vraiment pas de sens. Il y a du harcèlement ciblé envers moi, quoi. Donc, les modos, dès qu'ils me voient, ils me ban. Surtout ça, je pense, ouais. Donc, 44 bans depuis... Depuis le juillet, ça va faire un an de ban, 44 exclusions temporaires, 7 permaban, Zoom, je vais mettre au hasard les gars parce qu'il y a eu tellement de messages, puis qui est marre de me devant tes streams et ceux de Charles. Oh putain, ah non mais on va mettre des trucs au hasard hein. Si je perds, je me fiste. Léonatop, c'est comme baiser sa cousine, c'est immoral sur le papier mais en vrai ça passe. Mais quoi? Laisse tes cousines, hein. Fais pas de repas de famille avec Face. Je te dis. Mais non, mais. Ah, mais j'ai pas de cousines, j'ai pas de femmes dans ma famille. Non, mais... elles sont toutes mortes. C'est comme. Que des. Walou, insulte-moi. Pitié, je dois. Ma meuf là, mais j'ai besoin de Rix. Attends, c'était quand ça se passe? 18-05, c'était il y a 4 jours. Putain, mais t'es au restant en plus. Non, mais non, mais... Va au resto juste pour la bouffe. Non mais c'est du troll. Ah mais là t'as pas vraiment... d'excuses hein. Si je te dis MF ADC Diamant Princesse, tu me réponds quoi, Coquine Noël? En tout cas, Maxi Bardel réveille. Ah ça dit quoi ça, Noël? Ouais. Ah elle a quoi avec les barres? Ah merde, tu peux être déçu là. Ah bah, les barres, en fait, c'est l'acier galvanisé. L'acier galvanisé. Je me R une amie. Quoi? Banne-moi 10 minutes, Bébou, tout ira mieux. Je vais me raser le baltrou, je reviens, c'est bon. Au moins, il sera tout lisse pour le. Je pisse pas, je retiens le skate comme ça. Quand ça proc, ça fait un drôle de canon vers son pipi. Oh, je suis en train de pleurer. Walou détache un bouton de ta chemise, je jure, je me herne ami la petite culotte. Mais. Mais non, faut on peut pas refaire un 1v1 et comme ça on annule tout, genre. Mais je vous dis, au tout début c'était quelque chose. Et il est permaban de chez SleepX, de chez tout le monde. Hein. Et dis-toi, c'est comme ça, en fait je me fais harceler depuis un an. Et vous me direz, les gars, pourquoi je le débanne à chaque fois? Non. Parce que t'es trop fou. Gentil, je pense. Quoi? Non, je sais ce qu'il va dire, mais ouais, je vais dire, non, je peux pas parler, vas-y, je parle pas. Laisse-moi finir. Dès que je le perma, parce qu'il a pris 7 permas quand même, il me harcèle sur tous les réseaux, même sur mes comptes personnels que personne n'a, il sait où j'habite, il sait tout sur moi. C'est totalement faux, mais ouais. Non, tu me harcèles pas? Ouais. Tu me harcèles pas? Ouais, dis la vérité, c'est qu'il y a un an, on t'avait brisé le cœur et un stream. On a su te remonter le moral, c'est vrai. En vrai, ça fait le content, je suis d'accord. Et puis, Léa, t'es toujours là? Ouais, bien sûr. Ah, elle vient de me bloquer, hein, perso. Elle vient de te bloquer. Non, mais c'est son personnage, il fait ça pour amuser toute la galerie, c'est juste pour faire rire les gens et il est très apprécié de la commu. Ce mec a match, les gars, donc tout le monde peut y arriver. Bon, en vrai, voilà, c'était des petites vannes, Léa. Si ça marche bien entre vous, on vous met pas la pression de toute façon, c'était juste pour faire du content et tout. Prenez votre temps. C'est un super concept, hein. Franchement. Ok, mais je veux pas que ça perturbe un peu votre évolution de relation, ce que j'ai montré. C'était juste pour amuser la galerie, et puis tu sais, c'est du personnage. Moi aussi, voilà. Merci pour le resto, en tout cas, ouais. Hein. J'insiste pour le resto, ils vont tellement se... On va pas aller au Flunchap, avec ce que t'as montré. Prenez ce que vous voulez, je suis à l'aise financièrement. Oh là là, le Michel Sarin. 90 balles le menu, hein. Pour deux, hein. Ouais, Face juste, et la sœur, il a raison, évite juste de dire ce que tu veux faire avec ton Qtam Kench, un TD. De quoi? Je me rappelle ton message de Qtam Kench. Ah oui, ok. Ouais, le Qtam Kench, le Qtam Kench pour les repas. Aller au resto, ouais.
Et merci, vas-y, les louveteaux. Yes, bah, merci Anne, merci Anne et Marie, merci à tous hein, d'avoir participé à cet event, à ce micro-event. Bah, merci à toi, Walou, d'avoir organisé, c'est cool. Bah, à refaire, on fera des concepts. Tu m'as dit, Anne Marie ? Ah bah là, ça se trouve, c'est des pionniers de l'épisode 1. Peut-être, hein. TikTok, si ça vous a plu sur YouTube, n'hésitez pas à like, première fois que je vous parle après 400 vidéos. Donc n'hésitez pas les frérots. Et c'était même un peu fait à la va-vite. Mais bon, c'était quand même cool, on a passé un bon moment. Bisous. Ouais, c'était cool avec le mot de la fin pour toi, Léa. Bah merci, encore merci Walou, merci Marie d'avoir été là, merci mon petit loup d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et du coup, on se voit la semaine prochaine. Oh my dream, elle m'a appelé mon petit loup. Bon, allez, vas-y. Je te jure, frérot, c'est tellement win. Oh, c'est win. Let's go.